Palmer le sort du côté gauche du gardien. Passe à la pointe à Crevier, le long de la bleue. On s'avance vers le filet, c'est dangereux. Une frappe, à bout portant, tir, arrêt, la rondelle qui bondissait dans le demi-cercle. Bel arrêt d'Urtubise. Crevier devant lui pour Farmer. Farmer, cercle gauche. Farmer remet près du filet. Belle garde, remet de l'autre côté. Voilà le but, on a glissé la rondelle devant le filet. Et celui qui marque, c'est Fabrice Fortin qui a vu une rondelle apparaître tout juste devant lui avec une ouverture béante devant le filet. Et voilà que les Saguenayens profitent d'un avantage gauche pour venir voler un but à Meursault. On a apporté des changements là, chez les Saguenayens. Voilà Crevier sur sa gauche pour Boudria à la pointe pour Crevier. Tire du poignet, arrête du gardien, le retour. Et que l'arrêt de Nicolas Urtubise! Arrêt de la semaine pour le gardien des Tigres. Il est venu. Daigle, et c'est Sévigny qui remet pour Tardy. Belle passe. Tardy s'amène sur l'aile droite en vitesse. Tardy ralentit son tir. Et voilà le but! Benjamin Tardy! Le rondelle qui a échappé au gardien Schenk. Et les Tigres créent l'égalité, c'est 1-1. Oh, Schenk a été complètement surpris sur cette rondelle. Laisse à Pierrick Dubé. Dubé pour Houd. Mais sur son revers, décide de ne pas lancer. Il passe à la pointe pour Pellerin. Pellerin tire de loin. Dans la circulation, voilà le but. Ça a touché Arsenault devant le filet. Et les Saguenayens qui répliquent le premier devant 2-1. On a joué malchance chez les Tigres. Rondelle qui est ressortie. On profite de Pelletier. Pelletier s'amène à la ligne bleue adverse. Rejoint Farmer. C'est bien fait. Farmer du revers devant. Et voilà le 2. La pierre qui marque. Et c'est 3-1 les Saguenayens. Belle poussée des Saguenayens qui prennent en avance de 2 buts. Oh, absolument. Là, les Saguenayens se sont amenés. Et Kalmykov. Ces joueurs-là doivent marquer des buts et de longtemps. Là, tire dans la ligne bleue, voilà le 2. Un tir de Crevier dans la circulation. Et c'est 4-1. Bon, ben là, est-ce que les Tigres sont en train de vivre un peu le scénario inverse de dimanche ou. Faire dévier plus loin, c'est raté. Voilà Arsenault qui reprend pour Deg. Deg fait dévier, mais Dumont intercepte à la ligne bleue. Bel arrêt de Urtubise. Un tir qui a dévié maintenant. On veut remettre devant. Beaucoup de rondelles qui se promènent devant Urtubise depuis le début de la troisième. La pierre transversale pour Mercer. Mercer voulait tirer la rondelle. Hop, passe au-dessus de son bâton. Alors Mercer, en perte d'équilibre, se relève. Laisse à Houd. Houd s'avance pour la pierre de l'autre côté. Pour Kastik qui marque. Et c'est 5-1 les Saguenayens. Partie supérieure, côté du bouclier. Urtubise est battu. Kastik qui était dans l'enclave. La pierre à la ligne bleue. Passe pour Mercer. Mercer va ramener vers le filet. Ça a été bloqué. Houd récupère. Pour Lapierre. Lapierre soulève une passe pour Mercer devant le filet. Et voilà le but. Dubé fait dévier. Et c'est 6-1. Alors, rien ne va plus pour les Tigres. Un troisième but marqué en avantage numérique pour les Saguenayens cet après-midi.